Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule qui a pour objectif de t'expliquer ce qu'est le cortège électronique d'un atome. Partons d'un rappel. Au collège, tu as vu qu'un atome est constitué d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Ces électrons n'ont pas de trajectoire particulière, mais ne peuvent pas pour autant occuper tout l'espace autour du noyau. Au lycée, on travaillera avec le modèle de Bohr qui représente l'atome avec un noyau central et des électrons qui sont répartis sur des couches. Pour les 18 premiers éléments du tableau périodique, on retrouvera une première couche, une deuxième, et une troisième sur laquelle les électrons se répartissent. La première couche est composée d'une seule sous-couche, appelée sous-couche S. La deuxième de deux sous-couches, S et P. Et la troisième, les électrons se répartiront sur les sous-couches S et P. Dans ce modèle, les règles de répartition sont les suivantes. Les couches se remplissent dans un ordre précis, et on passe à la suivante une fois que l'une est remplie 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. La sous-couche S ne peut contenir qu'au maximum deux électrons. La sous-couche P ne peut contenir qu'au maximum 6 électrons. Pour résumer, on remplit d'abord les deux premiers électrons sur la couche 1S, puis les deux suivants sur la couche 2S, les six suivants sur la couche 2P, puis la couche 3S, puis la couche 3P. Je te propose de prendre un exemple avec l'atome de carbone. Pour établir la configuration électronique, c'est-à-dire répartir les électrons dans les différentes couches, la première étape c'est de trouver son nombre d'électrons. Pour ça, direction la classification périodique des éléments. Je te rappelle que pour un atome, il correspond au nombre de protons, donc au numéro atomique. L'atome de carbone a donc 6 électrons autour de son noyau. Répartissons-les maintenant selon les règles précédentes. Deux électrons présents sur la couche 1s. Comme elle est pleine, je mets les deux suivants sur la couche 2s, puis les deux derniers sur la couche 2p. J'ai bien réparti les 6 électrons, et la configuration électronique se note 1s, 2 2s, 2 2p2. Lorsqu'on te la demande dans un exercice, tu peux l'écrire comme ça directement. On n'attend pas de toi que tu refasses à chaque fois le schéma. Un deuxième exemple avec l'atome de soufre. Cette fois-ci, 16 électrons à répartir. Tu peux essayer de mettre pause sur la vidéo pour t'entraîner avant d'afficher la correction. 1S2, 2S2, 2P6 pour les 10 premiers électrons. Je continue dans l'ordre pour les 6 électrons suivants. 3S2 et 3P4. J'ai réparti les 16 électrons. Pour que tu comprennes bien cette notation, je reprends ici par exemple, elle indique qu'il y a 4 électrons présents sur la sous-couche P de la troisième couche. Dernière chose, et c'est souvent pour ça que le chimiste utilise la configuration électronique, tu dois savoir dénombrer ce que l'on appelle les électrons de valence. Dans une configuration électronique, la dernière couche contenant des électrons est appelée couche externe. Pour cet exemple, c'est la troisième. Ce sont les électrons présents sur la couche externe que l'on appelle électrons de valence. Ce sont eux qui vont intervenir dans les liaisons chimiques. Parfois, comme c'est le cas ici, il y a des couches inférieures qui seront donc remplies et que l'on appelle couches internes. Elles contiennent des électrons que l'on qualifiera d'électrons de cœur. On considère qu'ils sont très fortement liés à leur atome et ne contribuent donc pas aux liaisons chimiques. Donc, pour déterminer le nombre d'électrons de valence, retiens qu'il faut écrire la configuration électronique et compter le nombre d'électrons présents sur la dernière couche. Dans notre exemple, le souffle contient 6 électrons de valence. Pour terminer, faisons un point sur ce que tu dois retenir de cette capsule. La configuration électronique d'un atome indique la répartition des électrons dans les différentes couches et sous-couches. Les électrons se remplissent selon un ordre précis que tu dois connaître. La sous-couche S peut contenir 2 électrons maximum, la sous-couche P 6 électrons maximum. Et enfin, cette configuration électronique permet d'identifier les électrons de valence, c'est ce que l'on te demandera de faire régulièrement, alors retiens que les électrons de valence sont ceux présents sur la couche externe. J'espère que c'est maintenant plus clair pour toi, comme d'habitude n'hésite pas si tu as des questions, et à bientôt